بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الكرام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورد عيدكم ورد. يقول الله سبحانه وتعالى في سورة مريم، لقد درسنا هذه الآيات لكن لا بأس أن نرجع لوجهة نظر أخرى. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب، إنه كان وعده مأتيا، لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا. تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا، وما نتنزل إلا بأمر ربك، لو ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر عبادته هل تعلم له سريا. خلف من بعد خلف مستدير هي ils ont été succédés par des mauvaises progénitures, par des mauvaises générations. خلف من بعد خلف أضاعوا الصلاة، ils ont abandonné toutes les prières, tous les cultes qui peuvent les rapprocher à Dieu. أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات، ils ont eu des comportements et des idées et des attitudes passionnelles. C'est-à-dire où il y a l'extrémisme de recherche de désir ou de plaisir. Le plaisir du pouvoir, le plaisir sexuel, etc. Ça, on voit Tabao Shawet. Donc, Tabao, c'est-à-dire ils ont suivi toutes les incitations sataniques. Tabao Shawet, il va savoir qu'il y a le camp de rien. Donc, ils vont trouver au bout de leur course, au bout de leur vie et dans l'autre vie aussi, rien, c'est-à-dire perdition et châtiment et souffrance. إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. À l'exception, donc excepté ceux qui ont repris le chemin de Dieu, من تاب, c'est-à-dire il a pris la bonne direction et il a demandé le pardon à Dieu, وآمن, et puis il a une vraie conviction que Dieu est Dieu, il n'y a pas d'autre divinité à part Allah, وآمن وعمل صالحا, c'est-à-dire qui a fait des réformes, qui a su, comment dirais-je, exécuter tout ce qu'il faut pour donner les gens leur avoir, leur argent, leur estimation, leur dignité, etc. Donc, ils vont rectifier leur relation avec les gens, surtout avec les victimes. وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَيْكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ. Donc, « عَمِلَ صَالِحًا » c'est très important en islam. C'est-à-dire il va œuvrer dans le bon sens humanitaire, dans le bon sens de la droiture, de l'intégrité, de la, comment dirais-je, de tout ce qui est beau, tout ce qui est beau à voir, à entendre, à faire, etc. C'est-à-dire ceux-là seront les hôtes du paradis, ils vont entrer pour toujours. Ils ne seront jamais lésés, même du poids d'un boson. جنات عدن التي وعد الرحمن وعباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا. Ce sont des jardins d'Éden, c'est-à-dire pour l'éternité. التي وعد الرحمن وعباده, promis. Ces jardins promis de la part de Dieu, Rahman le Clément, le très miséricordieux, que ce soit pour les individus ou pour tous les fakalais. ورحمة وسعة كل شيء. عبادة وعد الغيب. جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب. C'est-à-dire, ils ont eu cette parole divine, bien qu'ils ne voient pas Dieu. Donc, bilghayb, c'est-à-dire l'ancien, dans le sens de, on n'a pas su, on n'a pas vu, on n'a pas perçu, on n'a pas senti qu'il y a un Dieu. Mais on est sûr que Dieu est Dieu, sinon on ne peut rien expliquer. On ne peut pas expliquer, on ne peut pas argumenter
voir comme il faut notre vie et les histoires et l'avenir, etc. On ne peut rien dire, on ne peut rien faire et on ne peut rien conclure. Donc il faut toujours avoir à l'esprit que Dieu est l'existence, dont l'existence est, comme on dirait, absolument nécessaire. جنات عدن التي وعد الرحمن عبادهم بالغيب انه كان وعد ماتيا في لا بارولين سرا اونوري سا سي سا امبورتو اون تو ليكو لا يسمع ماتيا سادير الى اون بوا سو سي بارول لا هي هي اون بوا دو سوفونير دات فينير ايتترا دونك لا بارولين الي تولو اونوري بار ديو دونك سي انو لي فقرين de prendre cette réalité là au sérieux. Laisse mon la fille à l'agouan et le salam. Donc ils sont en dehors de tout discours là, tout etc. Laisse mon la fille à l'agouan et le salam, à part le, comment dirais-je, les signes de paix, à part les vœux de bonheur, etc. Laisse mon la fille à l'agouan et le salam. Vous voyez que lorsque Satan il est évincé, il a pris sa position en tant que hôte numéro 1 de l'enfer, tout devient paix. Donc, nous, les musulmans, nous voulons la paix pour nous et pour les autres. On ne veut pas la guerre. Dieu, comment dirais-je, Dieu ne nous ordonne pas de faire une guerre, comment dirais-je, injuste. Il y a uniquement des moments très rares dans l'histoire de l'islam, parce que depuis. L'histoire humaine, il y a toujours des musulmans. Nous ne déclarons jamais la guerre. Nous ne sommes pas des belliqueux. Nous ne cherchons pas la petite bête. Nous sommes des gens de constance. Nous sommes des gens de patience. Nous savons que Satan, il fait beaucoup de dégâts dans la plupart des générations, que ce soit génique ou humaine. Donc nous savons ces vérités-là. C'est pourquoi on ne veut pas déclarer une guerre, quelles que soient les conditions, à part les exceptions, on n'arrête pas d'insister sur cette exception-là. Donc vous voyez, tous ceux qui veulent du mal à nous ne sont pas dans leur droit. Ils sont dans l'arrogance, dans l'injustice, et puis ils ne calculent pas bien leur avenir. Par exemple, maintenant, les politiciens du monde, ils font tout pour nous affaiblir, alors que leurs actes ne font que nous raffermir dans nos positions, même sinon, si on est en minorité, mais toujours on a la main au-dessus des mains malsaines des groupes criminels, des terroristes. Les vrais terroristes, ce sont les ennemis d'Allah. Mais nous, nous sommes terroristes dans une toute partie de l'existence. Donc, on ne peut pas terroriser parce que le terrorisme doit être déclenché par le terrorisme de la majorité. C'est tout. Donc, on ne peut pas être mou de telle façon que sera vraiment exterminé. Ça, ce n'est pas faisable. On ne peut pas le faire parce que nous sommes dans le bon sens, dans le bon droit et personne ne peut nous attaquer sans savoir qui sera attaqué aussi. On peut avoir des actes préventifs de par notre sens de la vérité, notre sens de la justice. Et puis nous sommes des gens raisonnables. On associe les choses, on tire des leçons, on prévoit, on a une attitude de prévoyance, on a une attitude d'anticipation, donc on a tout pour éviter les dégâts pour nous et pour les autres. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا لا يسمعون فيها لغوا إلا سلام دونك سيسفير سلاما لا بي وهم رزقهم فيها مقتل عشير يزورون لور tous les moyens de subsistance, que ce soit à l'échelle spirituelle ou intellectuelle ou affective, sociale, n'importe quoi. Donc,
لا يسمع النبي عليكم إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة تنعم فيه. دونك سون بيان كومون ديغيز كومبونسي دو لا بار دالله بكرة تنعم فيها. إنسي سي إنسي سور لو نيك تيمير ستادير بكرة تنعم دي لو ماتان سون دون لو ميور بونور وعشية لابري ميدي ولو سوا تلك الجنة. Il insiste bien sur les caractéristiques du paradis. Alors, tu nous retournes à l'Ibadé, mais qu'elle a traqué. Ce paradis-là, il est, comment dirais-je, un patrimoine. Il est, comment dire, hérité par le divin, par ces gens-là. L'Ibadé, mais qu'elle a traqué, c'est-à-dire par les pieux, par les gens qui évitent comment dirais-je, de déclarer la guerre à Dieu, de, comment dirais-je, être la cause de sa colère, etc. Wa ma yatanazzalu illa bi amri rabbika. Et maintenant viennent les anges de se présenter pour tout le monde. Wa ma yatanazzalu illa bi amri rabbika, c'est-à-dire nous sommes envoyés par Dieu, nous n'avons pas l'initiative de votre propre chef de vous donner des ordres, de vous avertir du mal qui peut أتمنى تكلا وما ينتظر إلا بيرم أم ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا سنين كل تو إلى بوسيتو كل سوا بين أيدينا سنين سو كي نتنو إدون أفنير أو ما خلفنا إن نتر بسي تو سا أبارتين عن ديو ريك مو عن ديو وما بين ذلك سنين أنتر سي دو كاتيغوري ذلك وما كان ربك نسير إي سوا ينسيو إلي نولمو كومو ديريج qui oublie, il n'est jamais oublié. Rabbu samawati wal ardi wa ma baynahuma fa'budhu wastabir li'ibadatihi hal ta'lamu lahu samiyan. C'est le maître et le seigneur des firmaments de la terre ou des sept terres. Wa ma baynahuma, entre ces deux catégories, fa'budhu wastabir li'ibadatihi hal ta'lamu lahu samiyan. Adore-le correctement comme il se doit. Wastabir li'ibadatihi, soit constant et soit patient. Quels que soient les déconvenus, quels que soient les malheurs qui sont perpétrés par les gens du mal. Donc, tiens-toi dans l'état d'adoration de Dieu, l'imploration, etc. Les louanges. Samir, est-ce que tu connais quelqu'un d'autre qui a les mêmes attributs? Samir, c'est-à-dire homonyme. C'est-à-dire qu'il y a les attributs de Dieu. Même un être de Dieu ne peut pas appartenir à les attributs de Dieu ne peut pas appartenir aux autres. Même si Mohammed dit mention que la paix d'Allah soit sur lui, Kadab bin Moumin al-Rouf Rahim, c'est-à-dire le Ouf, c'est un attribut bien relatif, bien déterminé, bien précisé. Raouf ou Rahim, Raouf, c'est-à-dire qui a beaucoup de. Beaucoup d'amour pour les gens. Rahim, c'est-à-dire il est clément, il est toujours le pardon. Mais ce n'est pas Dieu, parce que Dieu, Ar-Rahman, Ar-Ra'uf, Ar-Rahim. Donc, Al-Flam, c'est bien décidé que Dieu seul possède ces attributs-là. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.